À Égaze, il s'en passe beaucoup des choses, hein, mais c'est vrai, c'est le contexte général qui veut ça. On est obligé d'être à la hauteur de notre label, l'un des plus beaux villages de France que nous avons depuis 2005. Être à la hauteur de ce label, c'est défendre son patrimoine, c'est organiser des activités touristiques et c'est aussi avoir des animations estivales qui montent en puissance. Que ce soit notre fête médiévale en juillet, qui maintenant connaît un grand succès, et nous avons pour le mois d'août le Festival Flamenco. C'est la première année que nous le faisons. Il dure 3 jours. C'est une idée de Bruno Berthet, mon adjoint, qui connaît pas mal la région d'Arles et pas mal d'adeptes du flamenco, des troupes, etc. Mais il a fait appel aussi cette année à des champions là, de l'organisation. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le Maire. C'est vrai que nous avons rejoint Égaz cette année pour présenter le premier festival flamenco d'Égaz. Et on les remercie surtout de nous avoir associés à ce projet parce que nous, les Royaumes d'Exil, c'est une association, un collectif d'artistes originaux, avec des œuvres originales. Et c'était important pour nous de pouvoir les pérenniser et de les montrer aux gens. On a commencé hier soir avec les Ritano Family par une soirée festive. Ce soir, c'est Dame et la Mano. Dame et la Mano, qui est un groupe qui tourne déjà depuis un moment, qui a fait des tournées internationales, qui a plusieurs disques à son actif, avec une voix magnifique, celle de Clara Tudela et la guitare de Gregorio Igor Sanchez. Et vous pourrez apprécier ce soir, vendredi. Et demain, c'est Calle Flamenca qui présente son nouveau spectacle, Naranja de Sangre, qui est un spectacle de flamenco puro, avec beaucoup de danse, beaucoup d'expression. Donc nous sommes partis dans une dynamique d'animation de qualité. Et l'année prochaine, j'espère qu'on va se retrouver pour la quatrième fête médiévale et puis le deuxième festival flamenco. Et j'espère que mon copain Bruno Berthet, sera encore d'attaque, malgré le stress qu'il envahit de temps en temps. C'est bon, les idées. Mais enfin, il a de bonnes idées et puis il est efficace. Merci. Allez, merci.